Nous avions compris que l'identification des sols rocheux ou remblayés était compliquée avec un pénétromètre statique. Afin d'étudier les sols, nous proposons dans un premier temps l'utilisation d'un pénétromètre dynamique. L'essai par pénétration est l'un des essais les plus anciens qui permet d'appréhender la résistance des sols, et cela, nous le devons à nos amis les Hollandais. Le principe est de battre une masse sur une pointe et de mesurer la descente de celle-ci. Couramment, le technicien compte le nombre de coups par pas de 10 ou 20 cm. L'avantage du pénétromètre dynamique est qu'il peut être réalisé sur tous les types de terrains par des configurations multiples. Le poids du marteau varie ainsi que la hauteur de chute. Des versions portatives permettent des accès restreints où il est impossible d'accéder avec la machine. Le résultat de l'essai nous permet de calculer la résistance dynamique à la pointe. Dans un premier temps, nous allons déterminer les limites des différentes couches de sol. Dans un second temps, cette résistance sera convertie à son équivalent au pénétromètre statique, ce qui nous permettra de calculer la capacité portante et le tassement du sol en place. Pour cela, l'estimation de la lithologie du sol est nécessaire. Celle-ci peut être déterminée par un forage descriptif ou lors de l'extraction de la tige. Cette technique nous permettra d'optimiser les valeurs et de limiter les surcoûts aux clients. Pour identifier les formes spécifiques dans le sol, telles que les cavités karstiques, les massifs rocheux et les nappes d'eau souterraines, ainsi que leurs dimensions, la méthode au pénétromètre s'avère insuffisante. Pour cette raison, une étude géophysique s'impose. L'une des méthodes géophysiques qui permet de modéliser la structure du sous-sol de manière précise en 2D et 3D est la tomographie électrique. Nous en parlerons dans un autre épisode.